Nihao et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, le JT Vidéo Geek of the Week par le Geek sur JT Geek par moi-même. Donc sur un ton plus léger, le JT Geek vous propose ce nouveau rendez-vous. Donc tous les samedis pour les abonnés à notre chaîne YouTube et le dimanche sur notre blog jtgeek.com. Donc si vous êtes abonné, vous la recevrez avant tout le monde. Donc ce numéro 1 de JT Geek of the Week, ça commence maintenant. Donc pour ce rendez-vous, vous aurez 6 vidéos, ça sera léger, ça sera détendu, ça vous fera peut-être rigoler, pas trop, mais le but c'est que ça soit soit geek, soit un petit peu chine. Allez, on attaque par la première vidéo. La vidéo c'est fait par GoDaddy, en fait c'est une vidéo promotionnelle, c'est un peu le fantasme du geek et surtout le stéréotype où il y a une bombe sexuelle, normal, blonde et tout, et un geek avec son ordinateur et tout. On appuie sur les stéréotypes, mais enfin c'est une pub et nous ça nous a bien fait marrer et un petit peu excité, c'est vrai. There are two sides to GoDaddy. There's the sexy side represented by Bar Raffaelli, and the smart side that creates a killer website for your small business represented by Walter. Together, they're perfect. Pour cette deuxième vidéo, on vous a trouvé la bande-annonce officielle ou pas officielle de Iron Man en taille. Alors vous allez voir, certains vont dire eh, franchement c'est nul, mais avouez c'est le travail. Je veux dire, quand nous on arrivera à faire des trucs avec aussi peu de moyens et des trucs aussi classe, personnellement je pense qu'on pourra se la péter. Donc je vous laisse complètement le générique en entier, ça fait partie de Iron Man. Nous personnellement c'est vrai qu'on a été voir Iron Man 3 au cinéma. En fait on voulait voir c'était quoi, enfin, on voulait voir Iron Man 3 forcément, et on voulait voir en fait les scènes qui ont été rajoutées spécialement pour la Chine. Alors forcément toutes les télés c'est du TCL, ça c'est étonnant, tous les téléphones c'est du TCL, et même le président américain, si vous allez voir le film vous allez voir, il a un TCL, ce qui est complètement improbable, je veux dire, le président américain il a un iPhone, c'est normal. Donc là il a un TCL, et puis c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont été rajoutées, donc il y a un chinois dans l'affaire, donc je sais pas s'il va être aussi dans la version européenne ou américaine, parce qu'en fait le mec il a carrément rien à faire là, si ce n'est peut-être un petit peu à la fin, mais ça faut voir le film. Bon voilà, ça donc ça a aucun intérêt, donc on le voit un peu sa patauge. À un moment on le voit sur son bureau avec une belle bouteille de lait et tout d'une marque chinoise. Là pareil, je sais pas si vous le verrez chez vous. Et ensuite il y a une espèce de grognasse qui est pas très connue en Chine mais qui est considérée comme la reine des pétasses. J'ai dit ça? Bon, c'est pas grave, on coupera. Voilà, donc elle fait juste une apparition bidon. En fait, ça sert strictement à rien. En fait, la scène a été sera coupée chez vous, mais vous loupez rien. En fait, ils font juste, oh blablabla, oh, vous êtes sûr que vous allez faire ça? Nanana. Bidon, en fait, on la voit 30 secondes, vous pourrez le couper. Ça enlèvera rien au film, mais simplement, en fait, c'est du buzz à la chinoise. Bon, allez, on regarde pas cette bande-annonce de Iron Man 3 en thaïlandais, parce que je pense que ça va vous faire rigoler, et on se retrouve juste après. Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. The Mandarin must be stopped. Tony Stark. Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Mr. Stark. Today is the first day of what's left of your life. Go! I'm gonna offer the choice. Do you want an empty life or a meaningful death? You're not a man.
You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. We do need backup. That's your department. Here's my boys. Donc on est là pour rigoler, donc on vous a trouvé une petite pub. Alors si vous êtes fan de Gremlins, de Mogwai, de Troll et de... je sais plus quoi, comment on s'appelle, et ben vous allez aimer cette pub, c'est assez rigolo en fait, c'est pour du lait... Enfin je vous laisse regarder et tout, vous allez voir c'est assez rigolo, il descend et tout, ça fait un petit peu peur. Donc accrochez-vous à vos sièges, mais c'est surtout assez drôle, donc vous verrez ça, bon c'est quand même bien rigolo et il fallait qu'on vous le mette. C'est break.com, un gros site américain apparemment qui connaît tout le monde sauf de moi. Moi j'ai découvert et tout le monde me dit oh, mais non, c'est super connu ça machin et tout. Ils ont fait une parodie et vous allez voir, on va couper un petit peu, on va pas vous laisser la musique en entière. C'est une parodie d'une chanson qui est connue, forcément vous allez la retrouver, vous mettrez l'artiste en commentaire parce que moi je m'en rappelle pas, on a essayé, c'est qui chante ça et tout. Mais bon voilà, c'est ça. Et en fait, c'est avec surtout très très geek. Vous allez voir, il y a plein de stéréotypes, il y a du Flash, il y a du Star Trek et tout, c'est assez rigolo, il y a du Nintendo. Donc on va vous laisser ça quand même au moins une minute. On coupera les morceaux les plus intéressants. Allez, je vous laisse découvrir ça, vous allez voir, c'est très drôle. Hello friends. Don't you want to meet a nice girl? Non pas par une bande-annonce, mais certainement un trailer de la série avec le plus gros geek de tous, c'est Dexter. Et oui, Dexter, vous allez voir, si vous suivez un peu la saison, il est considéré comme le geek de laboratoire, et pourtant, comme ça et tout. Donc, saison 8, et il est annoncé, en fait, Dexter, saison 8, est annoncé comme la saison finale. Donc, l'apocalypse, la fin, l'apologie, ce qu'on voudra, c'est assez décevant pour moi, parce que je vais la regarder, on va faire une petite larme quand même, parce que moi, j'aime vraiment bien cette série. Tiens, il est écrit par la petite sœur. Bon, voilà, après. Voilà, je vous laisse découvrir, en fait, ce trailer pour la dernière saison, saison 8. Et oui, le Dexter est considéré comme le geek de laboratoire dans la police criminelle. Et pourtant, c'était bien. Allez, je vous laisse découvrir ça. Will you be mine? It's like I'm conducting a final symphony, requiem for demonic Dexter. Open your eyes and look at what you did! The brick tombstone, the torture chamber, and you'll go down on a bed of nails. We're rendezvous in cold. You think this ends here? Hello, Dexter Morgan.
Voilà, c'est quasiment fini, il ne reste plus qu'une vidéo pour ce premier JT Video Geek of the Week. Donc si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires. Demain éventuellement sur le blog, laissez un max de commentaires, ça nous fera super plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook. L'autre il baille. Hey, je suis en live hein. C'est chier là. N'hésitez pas à laisser un max de commentaires en fait. J'ai oublié où j'en étais. Voilà, partagez cette vidéo à fond, mettez-la sur YouTube, mettez-la, partagez-la, mettez-la sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, faites-la partager à vos copains. C'est un nouveau rendez-vous, on espère que vous serez nombreux à suivre au moins ce rendez-vous. Si vous n'aimez pas les tests téléphone et tablette, si vous n'aimez pas les applications Android, si vous n'aimez pas le JT du JT Geek, enfin si vous n'aimez rien, peut-être que vous allez aimer ça. Donc partagez. Si vous aussi, en fait, vous trouvez des vidéos geek, insolites, fun, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Demain, vous allez sur le blog, mettez un commentaire, vous dites, j'ai mis cette vidéo, même s'il n'y a qu'un petit morceau, vous dites, voilà, il y a un petit morceau qui est intéressant, on le coupera, on a le logiciel qui fait ça et tout, on l'a 100% acheté craqué, donc on pourra faire ça, on pourra mettre juste le petit bout, envoyez-nous, mettez un lien, dire, sur YouTube, j'ai trouvé ça et tout, et comme ça, on vous mettra, et à la fin, en fait, vous allez voir, après la vidéo, à la fin, en crédit, on remerciera tous ceux qui ont contribué à mettre des vidéos, donc ça vous permettra, vous, d'être un petit peu la star du JT Geek of the Week. On mettra, merci à machin. Donc si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. On finit donc par une chanson. Vous allez voir, c'est très drôle. Et quoi qu'on pourra en penser, c'est très geek. C'est une chanson en anglais, sous-titrée en français. Donc je vous conseille de la regarder pendant longtemps. Vous allez voir, le mec est très drôle. En plus, c'est un très bon chanteur. Et les paroles sont très fines, donc je conseille ça. Et ensuite, on finira avec les remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce premier JT Geek of the Week. Avec les remerciements, merci. Et la semaine prochaine, il y aura un numéro 2, forcément, c'est facile. Et on remerciera les prochains en espérant que vous soyez nombreux à suivre ce rendez-vous et à nous laisser des vidéos. Comme ça, ça permettra d'agrémenter un peu ce... Ça permettra d'agrémenter un petit peu ce JT Geek of the Week et puis d'en faire un rendez-vous complètement incontournable. Vous êtes plus de 4000 abonnés déjà hier, hein, on a dépassé, on a un rythme qui est assez soutenu maintenant. Merci à tous de nous suivre. Allez, on finit par cette dernière vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine et sinon à lundi pour un test de jeux vidéo sur jtgeek.com. Allez, à la semaine prochaine, bye bye. Ça rentre pas, non. 1, 2, 3.